Bon, ben, le synchronisme était primordial avec Marge pour me permettre de rentrer dans le cheveu VIP. Mais aussi, il fallait aussi que mon équipe que je sois parfaitement synchro avec mon équipier. Puis c'est arrivé deux fois en fin de match qu'on était bien synchro pour finir le jeu. Voyons voir ce jeu-là qui était quand même très serré, mais vers la fin. Ok, on finit bien le jeu ensemble dans le 2 contre 1. Ça va être la même chose avec les Captain Falcon. Un peu plus tard, je vais vous présenter deux vidéos en deux autres enregistrements. Deux autres matchs en ces deux parties. Ouais, ça c'est une bonne relance après avoir chuté. Mais ça c'est pas considéré comme un KO revanche vu que c'était le joueur de, je pense, le tireur mi qui l'a touché en dernier. Après j'ai réussi à briser beaucoup plus de joueurs. Sauf que là mon équipe vient de rater une opportunité en or de le smasher pendant que moi j'essaie de m'occuper du ligne campant en même temps. Il a quand même mis le smash à côté. Faut pas se gêner de la frapper son adversaire quand son bouclier a été brisé. Faut pas mettre un smash de genre là, dans le vide comme ça là. Oh oh! Alors ça c'est un très bon synchronisme avec Image pour moi pour ce smash là. Près du rebord contre les lignes campants. Bon, attention, c'est pas Image avec ça. Pour une deuxième fois, je brise le bouclier du joueur de. Mais là, cette fois-ci, il était mieux de pas manquer ça parce que je te dis, sinon, ça aurait été une opportunité en or. Puis en plus de tout ça, ça aurait peut-être été le point tournant du match et il aurait raté encore son coup. Là, hey, là tu sais, il a manqué ça deux fois de suite alors que j'ai brisé deux fois de suite. Là, alors, deux fois de suite, ben là, c'est vraiment pas fort. Là, là c'est un bouclier brisé. Attention, checker la fin. L'autre match synchronisé que je vais vous présenter, ben, mon équipier se serait sacrifié une vie pour tuer le joueur de roi carreau à la fin pour que lui meure puis la partie soit finie. Parce qu'une balle smash, le mauvais balle smash est arrivé. En tout cas, lui il est très fort pour jouer avec les systèmes, ce joueur-là. En tout cas, j'ai déjà joué contre lui, ce joueur-là. Je sais pas c'est qui ce joueur-là, Kronos, mais en tout cas, je me demande bien si ça peut être bien qui. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en jouant avec lui, Seigneur, tu peux t'assurer de la victoire. Ben, tu peux t'assurer, oui. Si tu joues bien avec lui. Allez, bien joué là-dessus. L'effet météor avec l'item, c'est très beau.
Non, le joueur de Walker, tu te fais avec le triple saut, ce qui est pas mauvais non plus. On a une finale smash du joueur de Samus, qui a pris la balle smash pour ça, ouais. Oh, presque double KO avec cet item là. C'est moi qu'on m'encourage. Vu que je suis au-dessus de 101% grâce à tout cet enchaînement là. Avec un item. Et non, ce sera pas une partie sans jeter pour moi. C'est Lake qui tue qui a eu raison de moi. Lake qui tue. Le grand maître a vraiment une opportunité de pouvoir frapper ces joueurs-là. Mais lui, il l'a pas manqué. Voici la force bashman. Check bien ça. Le risque va prendre le joueur. Vous pouvez se le permettre, on était en avance de 4 vies contre 1. C'est correct. T'es sûr que l'autre allait mourir s'il était tout prêt? En tout cas, lui il était réellement synchronisé avec son personnage, mais pas à peu près. Il était focus. Il était focus, ben. C'est ça qu'il me faut des fois. Mais avant, mais sauf que quand tu joues contre lui, là, puis qu'il est avec un autre très bon joueur, puis que moi, je suis avec un joueur normal, ça risque d'être compliqué. Bon, là, ici, regardez ça, le synchronisme parfait avec le compte. Check ça, les deux Mikao. OK. Un mélange de side B chargé d'un Pichu avec un smash du joueur de Ryu. Ça a réellement fait de l'effet. Catching les deux mères en même temps, il leur reste chacune une vie. Non, pas vrai, c'est pas vrai. Il reste deux vies au Pichu, il reste une vie au joueur de Ryu à ce moment-là. Eh ben oui, je joue contre avec un équipe qui joue Mark. C'est le seul match que j'ai joué où je jouais avec un autre Mark. Mais avec un costume différent. Très bien joué de la part de mon équipier. Bon, que va-t-il se passer pour qu'il passe la partie sans chuter? Alors qu'il est à 42% de dégâts, tout va bien. Pour lui. C'est qui ici? Attention. Oh boy! Les deux. Ah, et ça, vous avez vu ça, la baisse des connaissances avec mon compte. Tiens, toi. Tu m'auras pas en faisant tout le temps ça, là. Alors là, je sais pas pourquoi là, ok. Comment elle faisait avec deux vies? Au moins. Non, je suis quand même à 120. Mon équipier, ben, il a répliqué avec un B-Note à bien placé en plus, puis ça avait tué le joueur de Pichu. Et voilà, un petit enchaînement, j'ai réussi. Et il reste à tuer le Pichu. Bon, on a voulu y aller les deux en même temps. Je sais pas quel risque qu'il a voulu prendre, mais en tout cas, il s'est suicidé. Faut faire attention à ces suites maladroites là, parce que ça peut nous coûter la partie des fois. Oh!
Ah, il a décidé de sauter par-dessus, mais j'ai pensé à faire un smash. En pensant que qu'elle allait peut-être faire ça ou... Ben, en fait, moi mon but c'était d'essayer de taker au bon moment, mais ça a bien d'être que sauter en même temps, fait que c'est pour ça que le coup a passé. Et qu'il meurt. Dans le fond, j'ai bien synchronisé mon compte, c'est ça qui a été le point de tournant du match, c'est avoir mis mon compte au bon endroit au bon moment, puis aussi, à la fin, quand j'ai fini avec le joueur de Ryu, pour faire place à Daniel V. J'ai fait un petit changement de combo, j'ai juste repoussé un petit peu vu qu'il avait utilisé son side B. Il serait plus capable de récupérer parce que avec Ryu dans le jeu de Super Smash Bros Ultimate, qu'est-ce que tu ne peux pas faire versus sur Super Smash Bros Wii U, Super Smash Bros Nintendo 3DS, c'est que tu peux plus faire de side B à l'infini. Dans les airs, si jamais tu te fais frapper plusieurs fois d'affilée. Après, tu t'es fait frapper une fois puis tu t'es éjecté. Que tu utilises ton side B pour essayer de revenir, mais que l'autre après ça tu enchaînes une autre attaque, tu peux plus les réutiliser le side B. Il te reste soit le double saut, si tu utilises ton double saut, il te reste ton triple saut, mais s'il n'y a pas le temps de se rattraper, ben oublie ça, c'est la chute instantanée comme qui vient d'arriver ici. Et là, voyons voir la partie qui m'a permis de me rendre en Smash VIP. Hey, vraiment là, mon équipier là. Hey, il a vraiment joué avec brio là, à deux reprises contre le joueur de stick, il a voulu esquiver dans les airs. Il arrive genre exactement en bonne position où ce qu'il allait probablement atterrir le joueur de stick, arrive avec son smash, le met KO deux fois avec le smash haut. Ben oui. Puis à la toute fin, après avoir fait un petit enchaînement contre le joueur de Daisy, là c'est à son tour d'en faire pour clore la partie. C'est pas comme un enchaînement combo dans un 2 contre 1 ou dans un 2 contre 2 qui s'arrive à toute fin, comme j'ai déjà vu avec un Amphinobi puis un Luca qui a réussi à la fin dans un 2 contre 1 à faire un bon petit enchaînement combo puis que le joueur d'Amphinobi a éjecté dans les airs, le joueur de Luca qui est en train déjà dans les airs, en train de faire son up B dans le vide. Mais le joueur d'Amphinobi, ok, il a réussi, je sais pas de quelle façon, mais en tout cas, à éjecter l'adversaire vers lui pour qu'il se fasse tuer d'en haut. Par le hot B qui était dans le vide. Ouch. Vous avez vu? Grâce au smash haut. Ça a été vraiment. Très synchrone, on était très synchrone là-dessus. On va l'être à la fin aussi. Pour moi, c'est ça qui est important, moi, dans les matchs en équipe. Il faut vraiment que la personne soit synchro avec moi. Si la personne n'est pas capable de me suivre, ça va être difficile de remporter des combats. On peut pas s'amuser à être 2 contre 1 sur un joueur, il faut pas oublier l'autre joueur aussi. À moins, s'il y en a un qui s'est fait mettre KO, ben là. On peut en profiter pour aller attaquer l'autre, en attendant. Oh! Tout en restant vigilant aussi. 185, avez-vous ça? Wow! 185. Oh boy, oh 207, aïe aïe. Non, c'est pas mon masque qui j'ai subi 215%, mais quand même ça a été proche. De base de mon record de dégâts max. Oups, c'est ta taille. Oh, bien joué là-dessus. Trois fois KO sur le joueur de Steve, trois fois des smash sur Steve, trois fois KO avec des smash. Et moi je pense que c'est trois fois des KO avec Daisy. Je pense qu'on s'est partagé les KO là-dessus. Bon, voyons voir la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, attention, 10, 11, 12.
Hey, Seigneur, ça, c'était tout un enchaînement pareil. Moi qui enchaîne, lui qui enchaîne, moi j'enchaîne, lui qui enchaîne, moi j'enchaîne, et lui qui enchaîne, et c'est fini. Hey, Seigneur, en tout cas, ça a bien donné pareil, hein. Tout de même, c'était tout un autre enchaînement, mais ça marchait comme ces doublettes, hein. Wow. Ça pouvait pas mieux tomber, ça. Cette partie avec un synchronisme parfait. Les deux joueurs ont eu un synchronisme parfait à la toute fin, vous avez vu. C'est ça qui peut faire la différence entre gagner ou perdre ici. Des fois, ça peut être pas mal serré parce que les deux équipes sont synchrones ensemble. Parce qu'ils sont des chaos. Ok, ensemble, qu'on compte les deux joueurs, puis après ça, c'est les deux autres joueurs qui arrivent après qu'ils soient morts, puis c'est eux autres qui font un KO par la suite. Puis là, on tombe tout à zéro. Mais là, dans ce cas-ci, ben, genre, c'était comme ça, en fait, entre moi puis mon équipier, au début puis à la fin. Ben oui, au début, pas oublier, on a mis chacun notre adversaire KO une fois. On s'est partagé KO puis à la fin. Genre, moi j'enchaîne avec Daisy, l'autre qui enchaîne avec le joueur de Steve, dont tous les deux essaient de fuir les combos, mais ils sont comme mal pris. T'as un joueur de Daisy qui a voulu prendre un risque, mais que ça n'a pas marché. Ok, puis moi aussi j'ai pris un risque, ça n'a pas marché, mais j'ai quand même frappé avec le Hub B, après ça j'ai frappé avec une coupe d'attaque aérienne sur elle, puis essayer de rattraper tout le temps avec un Hub B, ben à la fin, un Bakai. Puis lui, à la fin, c'est quoi? Le smash! Oh! Alors que là, il voulait faire une esquive aérienne, puis il a couru, puis il a vraiment bien glissé. Seigneur, ça a été... Regarde, je peux pas comment décrire comment ce match-là a été impeccable. On pourrait pratiquement dire le plus que parfait, mais c'est, pour que ça soit plus que parfait, il faudrait quasiment avoir une partie sans chuter les deux. À 3 vies. Mais c'est quand même un très bon match. Puis je te dis, c'est un synchronisme parfait. Là. Tu peux pas avoir mieux que ça. Là. C'est réellement beau. En tout cas, pour moi, c'est un beau match de gagner pour moi dans ce VIP. Puis justement, j'ai mis ces trois matchs-là. Ces trois matchs-là ensemble parce que c'est à partir de là où que tout a commencé. Pour que finalement que ça débloque. Puis que là que je manque pas, je pense ma cinquième ou ma sixième opportunité. Mais ça, je pense que c'était ma cinquième opportunité ou cinquième opportunité. Mais savez-vous quoi, il manquait 5 secondes pour se rendre en mort subite au moins là. Puis l'équipier qui jouait là, ben jouait ici. Contre moi. Puis il a pas pu résister à la toute fin vu qu'il était 33% de dégâts. Il a juste voulu essayer de conserver l'avance, mais c'était pas une bonne idée. Il a fallu essayer de faire un KO pour essayer de gagner le match ensemble. Mais lui, il a juste fui la fin pour essayer de en espérant qu'on va se rendre en mort subite. Mais écoute, tu peux pas faire ça. Moi, je vous le dis assez souvent. Ne faites pas ça. C'est là qu'on peut se faire avoir. Il faut essayer de trouver une manière intelligente de pouvoir frapper l'adversaire, puis essayer d'enchaîner les combos, puis peut-être qu'avec Daisy, si tu joues bien contre le Ganondorf ou le joueur d'héros, puis que tu c'est de bons coups, puis après ça, à survoler le rebord, puis à essayer de faire soit un neutral air ou un forward air pour les aider encore plus loin le joueur de héros pour qu'il y ait plus de difficulté à pouvoir atteindre le rebord. Attends. Ouais. Mais ce qui était surprenant là-dedans, c'est que j'ai pas perdu grandement de points. Puis après ça, j'arrive à ce match-là. Et je smash VIP. Ouais. C'est drôle à dire, mais je me suis rendu compte sur VIP, j'avais les points suffisants pour ça. Je pense que c'était peut-être 8,243 millions. La dernière fois que j'étais assez proche, j'étais peut-être à 8,242 millions. Peut-être que je manquais peut-être pas grand-chose avant de... pour mes grandes. Puis voilà, je me suis rendu en Smash VIP avec lui. Avec lui, mais... Avec...
avec la seconde parfait en fin de match comme ce match-ci. Et le décalage entre les deux matchs est de pas loin de 19 minutes. Ouais, c'est ça, de 19 minutes à peine, tu sais. Ça a pris quoi, 19 minutes? Bon, qui en a 6 sites. Après ça, 5 minutes plus tard, un match qui a dérapé. Après ça, on a ça 4 minutes plus tard. Après ça, on a quoi? 5 minutes plus tard, c'est ça, 5 minutes plus tard. Ouais, 5 minutes plus tard, on a ça. C'est ça, 4 minutes plus tard. Après ça, un autre 4 minutes plus tard, puis un autre 4 minutes plus tard. Donc, c'est ça, dans un délai de 19 minutes, ok, j'ai eu 4 parties sur les 6 que j'ai eu un synchronisme parfait. Un synchronisme parfait avec le personnage, tout dépendant de l'association, avec celui-ci, ben c'est en fin de match, mon équipier qui a fait une attaque à une dans le vide, un forward air, après un autre forward air, ben en fait, je pense qu'il a voulu juste bloquer l'attaque, puis il a réussi à passer à travail grâce à ça, puis après un autre forward air pour finir contre le joueur de tireur mi. Puis ici, ben c'est mon équipier ici qui est juste tout juste trop parfait dans les parties avec item. Et il s'est carrément sacrifié à la fin pour tuer le joueur avec un bâchement. Il pouvait se le permettre. C'était sûr et certain qu'il allait y passer lui aussi s'il était tout près. De la ligne de tir. Puis ça, c'est grâce à mon compte un double KO. Qui a fait une grosse différence dans le jeu. Ben, puis en plus de ça, à la fin, ben j'ai été synchrone contre les deux joueurs. En faisant un petit sachement combo sur le joueur de Ryu. Puis ensuite, tout près du robot, un smash important. Puis pour finir, un synchrone pas fait avec mon équipier au début et à la fin du match. Donc ça veut dire lors des deux premiers KO, puis lors des deux derniers KO qu'il y a eu dans cette partie pour finir. Mais vous avez vu comment c'était beau? Et ouais, je peux pas m'amuser mieux que ça là. Comme synchronisme parfait là. Bon, avec tout ça tout le monde, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et la prochaine fois, le prochain personnage que je vais jouer, ça va être Zelda. Mais Talk Night s'en vient bientôt. Puis on verra après ça pour la suite. Mais comme que je vous dis, ça sera des deux prochains personnages avec qui que je vais jouer. Mais je pense que le gros challenge entre ces deux-là, ça va être mes Talk Knight, vu sa légèreté, puis la complicité de pouvoir faire des beaux enchaînements combat avec. On verra ce que ça va donner avec lui. Mais avec Zelda, je pense que ça devrait aller pas si mal que ça, sauf qu'il faudrait que j'essaie de trouver les bons techs. Avec elle, surtout pour le forward eye, puis le. Ben, en fait, plus avoir des bons techs, des bons synchronismes avec le personnage devrait suffire pour remporter. Puis faire des bons renvois de projectiles aussi, ça serait important avec Zelda. Donc c'est ça. On sait qu'avoir du synchronisme avec son personnage, c'est toujours très important. Mais avec moi, c'est essentiel parce que s'il frappe avec la pointe de son épée, c'est là que ça peut faire toute une différence dans un match. Puis encore mieux quand que ton équipier synchrone avec toi, puis que vous mettez chacun votre adversaire en même temps, c'est encore plus beau, ou un à la fois. Dans un délai de 3 secondes. Sur ce, à la prochaine.